Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je rachète ou pas? Ouais. Enfin, on rachète quoi? Donc tu fais un produit, je fais un produit. Ouais. Tu commences? Je vais commencer avec le Herba Medicus Herbal Body Care de Crotteur Curbad Herbal Bath. Excuse-moi, mais Crotteur, tu te. Crotteur. 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 Voilà, donc ça vient de chez Action. Voilà, donc. Comme ça. Et en fait, à la base, c'est un bain moussant spécial pour le bain. Et moi, je l'utilise comme bain douche. Et donc, ça sent le. Non, je déteste ça. Ça pue. Ça sent les plantes. Non, ça sent le médecin. Ça sent le médecin. Mais c'est super efficace. Je l'ai déjà utilisé comme bain moussant. Et ça fait beaucoup de mousse, ça marche très bien. Et quand j'utilise en bain moussant et même en gel douche l'hiver et que je suis un peu enrhumée, ça me débouche les voies respiratoires quand je me frotte. Voilà, quand je me frotte. Donc évidemment, j'en ai encore 6 d'avance derrière, donc je rachète. Voilà, donc on va passer pour une solution micellaire de chez Garnier. Donc c'est le vert, enfin le bouchon vert. C'est pour eux. Pardon, excuse-moi. Et le herbal de Crotteur, il coûte moins de 1,50€ chez Action. Voilà. C'est bien, je pouvais pas dire. Donc, je reviens. Pardon. C'est le truc de chez. Le truc. La solution micellaire de chez Garnier. C'est la verte. C'est la verte pour les peaux mixtes et sensibles. Et ça a un effet matifiant. Donc, je l'utilise tout le temps maintenant et je l'ai racheté et parce que voilà, c'est trop bien. Et ça me matifie la peau, du coup ça me permet de moins briller la journée. Même en rajoutant, j'ai pas besoin de faire retouche de poudre ou quoi. Mmh. Donc, mais évidemment, je rachète vu que j'en ai déjà racheté un stock. Ça coûte environ 3-4€. Voilà. Ensuite, on y vient. Chez Sephora, j'ai testé une fois le gel nettoyant purifiant qui est blanc. Oui, il est blanc. Et donc là, il est totalement fini. Je l'ai pas racheté, mais il marche très très bien. Je l'ai pas racheté parce que j'ai essayé d'autres produits de la même gamme avec le gel chauffant et le gel au thé vert désincrustant. Et donc, s'il fallait, je le rachèterais peut-être quand j'aurais fini les autres. Mais très très bien. Et chez Sephora, moins de 10€ si c'est pas 7 ou 8€. Et j'en ai eu pour environ 2 mois en faisant 2 à 3 fois par semaine. Donc, je rachèterais, c'est très bien. Suivant. Moi, je vais passer au moment glamour. Un déodorant. Évidemment, il faut bien passer par là. Mais moi, c'est des déodorants. Ça va? Ah ouais. Ah. Ouvre pas, ça tourne. Ouais, donc je disais, donc j'ai acheté un déodorant. Pardon. Tu me coupes depuis tout à l'heure. T'es pas bien. Donc j'ai acheté un déodorant du côté mec, parce que... Oui! Merci! Donc, je le rachète parce que j'aime beaucoup et les déodorants pour garçons durent plus longtemps. Donc, on sent moins la transpiration. Voilà. Donc, je le rachète et c'était le Axe Dark Temptation. Dark Temptation. La minute blonde! Oh, ça! Celui-là, tu l'as eu chez Action aussi, non? Ils sont à environ 1€, ouais, 1,10€, 1,50€, oui, la bonbonne chez Action. J'ai peur quand je jette quand même avec ça. Ah bah, je vais rouler. Bon, ça va. Bon. Ensuite, j'ai acheté chez Action aussi le petit Marseillais après shampoing purifiant douceur aux extraits extraits d'argile blanche et lait de jasmin pour les cheveux à tendance grasse. Ça purifie les mails, donc ça tient toutes ses promesses, c'est super génial. Et je l'ai eu chez Action, je sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà, je me répète au pire. Et il en reste encore un petit peu, mais il faut que je coupe dedans. Et ça fonctionne au bout d'une minute. Le seul petit détail négatif, c'est qu'il laisse les cheveux couiner. Oh. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Quand tu t'essayes, quand t'as fini ton shampoing, quand tu rinces tes cheveux, déjà tes cheveux, t'as du mal à les passer dedans. Donc pour un après-shampoing, c'est un peu bizarre, mais
il nettoie très bien les pointes et tout ça, et je le mettais même jusqu'à la racine, ce qu'il faut pas faire normalement, mais ça purifie très bien et ça ne regressait pas les cheveux. Le seul hic, comme je vous ai dit, c'est qu'il fait couiner les cheveux, donc après il faut juste mettre une petite huile ou un truc comme ça sur les pointes et c'est très bien. Donc je l'ai racheté, le souci c'est que chez Action ils ne le font plus et qu'il coûte 8 balles je crois chez Auchan, Carrefour. Donc j'en ai acheté d'autres et j'en teste d'autres et je vous dirai la suite des... Voilà. Bah j'ai envie de dire on va repasser encore un moment glamour. Un produit de chez Gagné. Gars, putain, j'ai gagné de le droit d'avoir perdu des sous. De chez Garnier pour... c'est un body tonic, roll-on cellulite rebelle. Une double efficacité. Donc en fait, normalement, ça s'ouvre comment déjà? Là, comme ça. Ouais, là, faut mettre un biais. Rotationner. Et normalement, il y en a encore du liquide, je ne vais pas le faire. Mais il y a du liquide qui sort et il y a une roulette. Un gel, il me semble que c'est un gel au thé vert, un truc très frais. Quand tu mets, ça fait frais sur la peau. Ouais, c'est l'hypocaféine, enfin bref. Ouais. Ouais, ça sent bon, mais le seul hic, enfin voilà, il faut faire ça. Ça sert à rien. Et la peau se met entre la roulette et le gras. Plastique. Le gras se coince. Voilà, c'était mon moment gramour. Gramour. On a parlé. Donc non, je rachète pas et c'est des sous par la fenêtre. Ensuite, moi, comme vous... Bon, là, ça fait longtemps que j'ai pas été chez le coiffeur, mais sinon, je suis blonde à tendance blanche. Et donc, du coup, pour entretenir mes cheveux, pour ne pas qu'ils jaunissent, parce que je supporte pas les blondes jaunes et je préfère les blonds blancs, j'utilisais le Cycle Vital... de la gamme Eugène Perma. Donc c'est un shampoing argent, normalement c'est des personnes âgées qui utilisent ça pour leurs cheveux blancs pour pas qu'ils deviennent jeunes. Ça sent fort le produit chimique, ouais, mais ça sent le coiffeur en fait. Donc, ça sent le coiffeur. Et donc je l'ai acheté en général chez Bleu Libellule ou à la boutique du coiffeur à Auchan à Coquel près de chez moi. Et le souci c'est qu'apparemment la gamme Cycle Vital est arrêtée et ils ne vont plus le faire. Donc je suis en train de tester une autre marque de chez... Je sais plus. Mais elle est pas bien, elle est pas bien. Non, elle est parce que bien. Parce que j'ai quand je le fais avec le nouveau que j'ai acheté, j'ai encore des endroits où c'est un petit peu jaune parce que je le fais pas souvent. Et celui-là, je le faisais au même rythme que le nouveau. Et il blanchissait vraiment. Et si je le faisais et que je le laissais poser 5 minutes, j'avais les cheveux totalement blancs partout. Si je laissais poser plus de 10 minutes, ça devenait même un petit peu tendancieux violet. Mais l'autre, la dernière fois j'ai posé 45 minutes, on a vu à peine la différence, donc je ne rachèterai pas. Mais celui-là, si je trouve, je rachèterai, je vais tester, sinon il faut tester les shampoings argent, ils sont très bien, je rachète. Aussi bon, donc, on va parler de manger, parce que moi, si on parle pas de manger, c'est pas possible. Donc des Crispy Crips, là c'est des fraises, en fait c'est des fruits, je vais vous montrer vu que j'en ai racheté d'autres. Là. C'est des fruits secs. C'est comme... Ouais, c'est lyophilisé en fait. Ouais. Comme ceci. Bah, en fait, acheté chez Action aussi. Sec. Oh, c'est trop bon. Donc là, par exemple, il y a pomme, y a pêche avec 68 kilocalories, pomme 55, et là, c'est fraise à 63. Et en fait, super bon. Normalement, on peut le mettre dans les fruits ou je pense même qu'on peut mettre dans les... lots de tox. Je sais pas. Mais ça fait un effet chips quand même, dans de l'eau, je sais pas, ça devient... Ça doit venir mou, mais bon. Mais j'aime bien, et ça cale aussi, puis c'est naturel. Donc je rachète, bien évidemment. Ensuite, bah là comme vous pouvez le voir, bon, c'est mon pinceau qui est dedans pour dire que je puisse aller récupérer le reste du fond de teint à l'intérieur. Donc c'était un fond de teint de chez Rimmel London, le Stay Matte Foundation. À la camomille, au cocombre et au coton, en teinte soft beige 200, et normalement c'est un fond de teint matifiant naturel jusqu'à 12 heures. Il est juste génial, il matifie parfaitement bien, j'ai pas besoin de faire de retouches pendant toute la journée. En général des fois je me maquille vers 10 h le matin et je finis ma journée au boulot vers 20 h. Je vais commencer à briller vers 19 h 30, 20 h, vraiment vers la fin du boulot où... Bah c'est le moment où je fais le ménage pour ranger la boutique, donc je cours un petit peu plus, mais sinon pendant toute la journée ça bouge pas, il se déplace pas, il fait pas de transfert sur les vêtements ou autre, il est juste génial. J'ai pas encore acheté mais je vais racheter et il est bien et je ne le jette pas parce qu'il en reste quand même. Je suis pas... Voilà. Après moi je passe au
mascara. Donc là, c'est un petit miniature. Miniature. Voilà, donc c'est de chez Chanel. Le volume. Bon, bref, ça ne focus pas. Et c'est le 10 noir de chez Chanel. Et en fait, j'aime beaucoup la brosse. Enfin, c'est du silicone, mais la brosse, elle est super bien. Il y a plein de petits pics et il allonge énormément les cils et il fait beaucoup de volume. Et il est bien noir, il est vraiment noir intense. Ah oui, c'est du silicone. Ah ouais. Non, c'est de la... Non, c'est de la... C'est pas de le... C'est du silicone. Hein. Ah oui. Et franchement, ça fait des cils comme si c'était des faux cils. Et donc, je rachète. Bon, je veux racheter, mais il faut attendre un peu parce que le prix, c'est un peu... Voilà. Voilà. Non. Je rachète ou pas. Ah oui, non, j'ai oublié. Moi, le pire. Ça. Donc, comme vous le savez, je me suis inscrite à la Glossy Box. Et donc là, j'ai reçu la box de juillet, il n'y a pas longtemps. Et je vais vous faire une vidéo dessus en sachant que j'ai été totalement déçue. Mais ça, on s'en fout, vous verrez. Et donc, dans une des box, il y a un mois. Ouais. Deux. Le mois dernier, j'ai reçu le mascara de la marque Icona Milano en teinte noire. Et j'ai beau essayer de le laisser entre-ouvert, ouvert, une nuit pour essayer que ça sèche. Le machin, il sèche strictement pas. Pour l'appliquer, c'est une merde toujours. Il est ultra liquide en fait. Il est super liquide. C'est bientôt, c'est une machin, ça doit pas couler. Il tient pas le peu que ça fait, le peu que je dépose pour après le démaquiller, c'est juste une merde. Je suis obligée de mettre je sais pas combien de fois le démaquillant dessus, alors que j'utilise le démaquillant de chez Clean qui va super bien. Et le démaquillant aussi de chez Makeup Forever. Hein ? C'est celui-là ? Là c'est le miniature de chez Clinique, ouais, c'est le Take the Day Off Makeup, enfin le démaquillant facile, les yeux lèvres tout simplement. Donc ça c'est la miniature, mais je l'ai en grand. Même ça, ça a du mal à l'enlever, ce brin là, tellement c'est du brin. Faut arrêter, Icona Milano, arrêtez. Non, stop les mascaras, faites autre chose, mais reconversion professionnelle, parce que là, non. Sans regret. Et moi, le dernier produit, c'était un eyeliner de chez... De chez Essence, et c'était le eyeliner pen, quoi, voilà. Et c'était le noir, tout simple, et en fait, c'est un eyeliner feutre. Je vais pas vous montrer la gueule du feutre, mais bon, enfin, si, voilà. Il a une tête un peu bizarre, mais il fonctionnait bien, mais sans plus. Et là, je suis partie sur le Maybelline New York. Et il est super bien, le Master Precise. Voilà, Precise. Et il va super bien, il dessine bien le trait d'eyeliner, il est bien droit. Enfin, et celui-là, il est un peu... Vagule, ça se dit pas. Ah, je connais pas. C'est pas grave. Il fait des vagues, quoi. Même si on essaye de bien tracer, oui, le pinceau n'est pas. En fait, le pinceau n'est pas. Le stylo n'est pas. La pointe du pinceau. Elle n'est pas dedans. Enfin, ouais, donc, du coup, elle est. Enfin, même là, même s'il est dégueulasse, tout flingué, vous voyez, la pointe, elle bouge. Donc, du coup, si on veut s'appliquer pour faire dans un coin et qu'on cligne un tout petit peu de l'œil, le machin, non. Il se barre sur le sourcil. Puis donc, après, il faut faire tout le maquillage et tout. Donc. Je ne rachète absolument pas. Et au niveau du prix. Oh, c'est pas cher, hein. Non, c'est pas cher, mais c'est pas cher du tout. Essence et Catrice aussi, c'est bien. 3-4 euros. Ouais. Mais bon, je rachète pas du tout, c'est de la grosse merde. Voilà. Voilà, c'est fini. Je rachète ou pas. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour nous dire si vous voulez qu'on refasse d'autres vidéos, je rachète ou pas. On essaiera de mettre plus de variétés la prochaine fois. Là, c'était vraiment des produits qu'on utilise le plus souvent possible en ce moment. Après, ça va peut-être changer en fonction des... Comment on appelle ça, printemps-été? Des saisons. Des saisons et de notre routine, tout simplement. Et puis des nouveautés aussi. Et en fonction d'action aussi. Action, ça nous aide beaucoup. On achète beaucoup là-bas et voilà. Donc on espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour retrouver toutes les informations en dessous et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je t'ai coupé ? Pardon. À nous suivre sur les réseaux sociaux. Surtout pour ma part, moi c'est Instagram, Snapchat je le fais une fois tous les 36 et Twitter j'ai essayé, non. Donc ma page Facebook et Instagram pour moi et toi ? Snapchat et Instagram. Voilà. Donc surtout n'hésitez pas à nous suivre. Voilà. Et puis on espère que la vidéo vous a plu. On vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous, bisous!